Bah, disons que Kibix, la seule partie que j'ai pas réussi à tuer, c'est celle de... Oh non, je me... Putain de merde! Non, mais fuck you! La seule partie que j'ai pas réussi à tuer, c'est celle de droite. Et l'autre, il a 2-3 levels de retard. Se retaper le premier fight, c'est chiant. Et robot, ça fait 20 ans que j'ai pas fight avec lui, je sais pas. Je sais plus. Je crois qu'il a des attaques feu et ténèbres. Non? Oh! Après, ça fait deux heals. S'ils ont un heal du turfu pour les deux là. Oh! On peut se remettre full life. Le sang. Bon, par contre, Marl va me manquer quand même pour les gros dégâts. Marl, Lucas, pardon. Après, Auréole, il n'y a rien d'autre qui peut faire des dégâts. Là, les deux ensemble, elles peuvent pas faire de dégâts. Il n'a pas d'attaque. Il n'a pas d'attaque combo à part des heals. Tacle de glace, ah si. On va essayer. Faut qu'on élimine un membre déjà. PV pour tout le monde. Non, pas du tout. Ah, par contre, avoir ce gros heal, c'est un putain d'atout. Ah, du coup, ouais, enfin, j'ai pas les DPS comme tout à l'heure, du coup, c'est... Ah! Seul, il a quoi, lui? Mate, il va utiliser super éther. Bah déjà, j'ai le droit de crever. C'est un bon atout. Ce qui me tue, c'est que j'ai mis des accessoires exprès pour ne plus prendre d'altération d'état, mais il peut quand même t'en faire, quoi. The fuck. Esprit malin.
Non mais par contre monsieur, tu vas te calmer. Et l'autre qui est fou. Oh, putain. Objet, non. Une meurtrière, tu peux me laisser me heal s'il te plaît monsieur? Merci en fait. Qu'est-ce que... 21. Attends, le combo si possible. Tac tac tac. Salutaire. Ça y bouge plus là. Esprit malin. Mais putain, mais pourquoi ça les rend fous? Ils sont protégés contre fous. Même ce heal parce que si on arrive au prochain fight avec la moitié des PV ça va pas le faire. Il peut mourir? Allez là. Flamme agressive. Alors, putain, il prend tellement de dégâts magiques, Sora. Redonnez-moi ma vie par contre pour le prochain fight, que je meurs pas instantanément en fait, que ce serait un petit peu embêtant. Laissez-moi tranquille. Alors du coup, Kibix, faut tuer les trois en même temps ou faut juste tuer celui de droite? Parce que s'il faut tuer les trois en même temps, c'est un peu compliqué. Parce que la partie du milieu a quand même pas mal de PV. Et j'ai pas compris les faiblesses de la partie de droite en fait. Un coup il craint les attaques physiques, un coup les magiques, un coup il craint rien. C'est toi le Jean. Jean Pourou. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur triangle, non? Qu'est-ce que... Attends. On va pas prendre de risques. J'ai fait de la merde, là. Voilà, pour qu'il me perturbe à parler, là. Oh non, mais commence pas à faire chier... Auréole, voilà, Auréole, on va se calmer. On se concentre. Voilà. Attends. On est déjà mort?
J'essaye une attaque sur celui de droite. Là, il prend du 8. Cœur de Lavos se défend. Pourquoi j'ai pas le combo avec Micheline là? Putain. C'est vraiment des fils de pute. Hein. On peut se résister à une attaque moyenne. Mais c'est chiant, je suis obligé de mille tout le temps là. J'y arrive même pas parce qu'il y a un robot qui est mort. Regardez, elle a sa jauge qui est pleine. Laissez-moi sélectionner l'action parce que le temps continue à défiler en fait pendant ce temps-là. C'est vicieux de ouf. Du coup, les ennemis ont le temps de placer une attaque pendant que tu attends pour pouvoir placer une attaque combo. Je crois qu'il faut juste aller dans le menu pour figer le temps, mais c'est débile. Lève les défenses. Genre, on va quand même faire ça. Là, il lève les défenses, ça veut dire qu'on peut bourriner à droite? Je crois que c'est ça, hein. Quand il lève les défenses, il faut attaquer. Régénération des modules. Est-ce que c'est pour autant qu'il s'est régénéré là? Je sais pas. Enfin, reprotégé. Il retourne combien il y a avec son nom de guérisse? Ouais, c'est un petit heal. Hein. Combien il a pris? J'ai pas vu. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé combien il a récupéré. Oh, petit protectionniste. Rien à voir. Jamais t'as survécu toi, PTDR. Défense rétablie, donc je pouvais l'attaquer pendant tout ce temps-là, ok. C'est bien le moment d'attaquer maintenant. Je peux pas attaquer, toujours une altération d'état ou besoin de se faire heal.
C'est chiant, OMG. Il a pas ouvert son truc là. Ah si, il avait défense, c'est bon. Boule bourriner sa mère là. Voilà, je peux attaquer quand même ou ça te fait chier le jeu? Putain! Il est stoppé ou il est lent là? Il est à quoi là, Georges? Oh putain de merde. Attends. Mais j'ai utilisé un item en fait, laisse-moi jouer, non? Merci. Défense du cœur rétablie. Ah oui, mais j'ai bien rien. L'arme du ciel. C'est pas le truc qui fait 1000 sur un... Ouais, bah... Je peux jouer. S'il vous plaît. Putain de merde. C'est insane. Mais non, mais... Et comme il est mort, ça a cramé un tour. Putain. Ah, le cancer du cul. Pas prendre de risques, on sait quand même. Avant le vent salutaire. Enfin, quoi que non, bah, on est full vu que c'est V2. C'est bon. Il faut qu'on fasse Auréole. Là. Oh putain de merde. Mais nique ta mère. Vraiment, nique ta mère. Attends, parce que ça c'est un île de merde. Ah là, mais vu que je veux ressortir,
Ça me crame du temps, ils ont le temps d'attaquer. Putain. C'est vraiment... de la chasse. Là, j'arrive même pas à relancer Auréole, là. Il y a toujours un qui meurt. Carrément des attaques qui one-shot. Et ils ont pris lenteur. Oh là là. J'ai pas le temps de bouger, ils font deux attaques chacun avant que j'en fasse une. C'est n'importe quoi. Et... Donc là, ils ont attaqué 9 fois, j'ai fait un heal, hein. C'est n'importe quoi. J'ai pas le temps d'attaquer. Putain. Et elle est réveillée, je lance l'item. Nique ta mère le jeu! Putain! C'est une blague! Peut-être réussir à attaquer avec Sora, alléluia. Ouais, sauf que... Ah, tant pis, il y aura peut-être un mort ou deux dans l'eau, mais ils sont pleins. Sora qui va crever, il va prendre 1000 de dégâts. Non, c'est bon. Punaise. Insane. C'est insane. Lève tes vents, ça au kick. Est-ce que tu peux crever, s'il te plaît? Mais d'où il a autant de vie ce machin? C'est juste un petit noyau là. Allez, il y en a encore un qui va prendre 1000 et quelques de dégâts. Non, pas du tout. C'est bien parce qu'elle prend 843 dégâts, elle a 826 PV. On va pas prendre de risque. Distorsion temporelle. Les trois sont en jaune, mais je peux pas lancer l'attaque à 3. Je sais pas pourquoi.
Ils ont lenteur, c'est insupportable. Il y a toujours deux qui prennent une altération d'état, c'est merveilleux. Dans les noms, c'est de la grosse merde. On a Auréole sur tout le monde, on va dire que oui. Hein. Je sais pas à me rappeler. Oh putain. C'était la bonne idée hein, de prendre une team de healers là. Parce que même robot il peut faire tout seul l'équivalent du combo chrono plus marle. Sa mère la pute. Après c'est écrit machin défense du cœur, mais bon. Putain. Succès au-delà du temps. Yeah! Shura! Shura! Tu comptes dormir toute la journée? Mais qu'est-ce que. Ça passe trop vite le dialogue, what? Du coup, on retourne. Qu'est-ce qui se passe là? Je t'ai tant cherché, Sora. Tu as traîné ma fille partout. Papa, arrête. Sora n'a rien fait. Ma fille dit que Sora n'a rien fait. Mais... Êtes-vous d'accord, chancelier? Non. Les actions de Sora et de ses compagnons ont beaucoup influencé le royaume. Chancelier, mais qu'est-ce que vous racontez? Laissez-moi tout vous expliquer. Si je n'étais pas au château, c'est parce que j'avais une raison. À vrai dire... Vous avez sauvé le futur, c'est ça? Hein? Ils ont sauvé le futur. Ils nous ont redonné espoir. Ils ont vaincu l'armée du Magistère. La paix règne de nouveau dans le monde en l'an 600. Sora et Ami vaincre Saurien. Que faites-vous tous ici? Ah, il y a Lucas. Lucas qui est caché derrière le trône du roi, hein, au KLM.
Des membres des générations passées et futures, de la famille royale de Gardia, m'ont tout raconté à propos de l'importante mission dont vous avez été chargé. Les générations passées et futures de la famille royale de Gardia? Ils sont donc tous mes ancêtres et mes descendants? C'est Hunter. La paix m'avait tant ramolli. Je ne pensais qu'à moi-même. J'aurais plutôt dû me soucier de l'avenir du royaume, de la planète. Bien. Organisons un défilé de victoire pour célébrer les héros qui ont sauvé le monde. Allez, Marletia, c'est le dernier soir de la foire du millénaire. Va t'amuser autant que tu veux. Yeah! Ok. Ah, Sora, celui qui a sauvé le monde. Célébrons ensemble la princesse Marletia, qui est revenue saine et sauve du château. Au château! Ainsi que la prospérité de Gardia. Youhou. J'ai l'impression que le software est en PLS. What the fuck? Ok. Tout. Je n'arrive pas à croire que tu aies sauvé le futur. Nous n'aurons peut-être plus besoin d'armes. Yeah. Les mecs ont cru. Bon bah voilà, c'était une belle fête. Merci. Ça vous calme les danseuses, hein, par contre. Le chancelier, il a pas un cadeau pour nous normalement? Un petit feu d'artifice? Eh bien, le moment est venu de nous séparer. Il faut que nous retournions à notre propre époque. La mort de Lavos a affaibli les portails. Nous devons faire nos adieux avant qu'ils ne se ferment. Saura être fort. Marle être forte aussi. Et là, s'être amusé. Tu es mon ancêtre très lointain. J'espère que tu auras des enfants en bonne santé. Sinon, je pourrais avoir des ennuis. Et pas de problème. Et là, avoir beaucoup d'énergie. Que veux-tu dire par là? Oui, d'accord. Venez, votre majesté. La reine Nin vous attend. Rentrons. Graine. Les mots d'adieu les plus courts sont les meilleurs. Tu as raison. Et puis il y a mieux que les mots. Un petit bisou. Tout est bien qui finit bien. On sait que c'est une fin heureuse quand la princesse embrasse la grenouille. Tu vas partir à la recherche de Sarah? Ah, ok, le mec répond même pas. Je vois. Lucas, je vais vivre avec entrain dans le futur. Qu'y a-t-il, Lucas? Tu ne veux pas dire adieu à Robo? Oui, elle s'en est donc rendue compte. Rendue compte de quoi? Robo a été fabriqué dans le futur en ruine. Cependant, puisque nous avons vaincu Lavos,
Nous avons changé l'histoire. Bref, dans le nouveau futur, il est possible que Robo... Ah ah, mais non, je suis certain que j'existe dans le nouveau futur. Bah, si t'es encore là, techniquement, oui. Je suis certaine que Robo sera aussi créé dans le nouveau futur. Ouais, d'accord. De l'huile sur ses capteurs visuels. Tu te souviens de notre conversation? C'est à propos du fait que l'on voit notre vie défiler juste avant de mourir. On dirait que nous avons sauvé cette entité. Oui, je le sens moi aussi, son souffle. Voyager à travers le temps, c'est un fardeau trop lourd à porter. Ouais, on ferait mieux de détruire Ibis. Ce qui veut dire qu'on pourra plus aller voir nos amis. Non, pas par là. Qu'est-ce que... Regarde, Sora. Voilà ce qui arrive quand on s'occupe pas des animaux. Mais... Bah, c'est terrible. Alors poursuite, mais les portails sont fermés. Nous avons une machine à voyager dans le temps. Oh, oh, oh. Oh, votre Altesse, vous étiez donc ici. Le roi vous mande. Tout ça pour un chat. Même pour Zelda, même pour lui, il aurait pas sauté. Je veux t'offrir un cadeau, afin de marquer ce grand jour dans l'histoire. Regarde comme elle est belle, c'est la cloche de Marle. Elle possède un timbre merveilleux. Est-ce que vous pourriez me donner un coup de main? Mais où ils sont passés, Haled? Ah, je te remercie. Toutefois, je ne peux pas rester tranquillement ici. Votre Majesté, je suis arrivé à temps. Je vais lancer un feu d'artifice. Yeah. Alors du coup, mon collègue m'avait dit que... Genre... Oh putain. Salut Nico. Mon collègue m'avait dit qu'on pouvait finir le jeu sans sauver Chrono. Du coup, on peut arriver... à cette fin-là sans avoir sauvé Chrono, ou du coup ça bloque la bonne fin, entre guillemets? Parce que moi, sauver Chrono, ça me paraissait quand même assez basique, contrairement à... aux arbres, aux... à l'orbe lumineux, etc. Ah oui, j'ai fini le jeu. Enfin, en théorie, j'ai eu la meilleure fin, en tout cas, même si j'ai eu deux fois la fin du monde. Bah, je sais pas qui bix, ouais, parce qu'apparemment, il y avait quand même pas mal de fins, hein. Alors après, qu'est-ce qui s'appelle fin? T'as juste un PNJ en moins à la fin qui vient défendre ta cause ou... Enfin, je sais pas. I don't know. Oh, Robo et sa copine.
Oula. J'ai tapé dans ma chaise, oh là là. Le mec va pouvoir commencer MGS3. Je ne crois pas. Tetsuya Nomura. PTDR, c'est qui? Les musiques sont belles quand même. Tu connais pas Tetsuya Nomura? Il travaille encore sur les Final Fantasy? Je sais plus s'il a quitté les projets. Je sais pas jusqu'où il est allé. Attends. Il a pas quitté FF15 lui? Attends, je sais plus. Le créateur des personnages de plusieurs épisodes principaux de la série. Ainsi que le créateur et réalisateur de Kingdom Hearts. Mais je sais pas, il a travaillé sur le 15? J'ai un doute, hein. FF13. FF13-2. Lightning Returns. Ah si, il a travaillé sur FF15. D'accord. Donc c'est quelqu'un d'autre alors qu'il n'a pas travaillé dessus, je sais plus. Ah oui, il a travaillé dessus, mais après il a... D'accord, il a laissé le projet, c'est ça. D'accord, c'est ce qui me semblait qu'il y avait un truc par rapport à FF15. Feng. Bah en gros, c'est un peu l'équivalent de... Pour faire simple, hein, Kojima pour MGS, tu vois. Lui, c'est... Voilà, c'est la même chose pour Final Fantasy. Feng. C'est la Feng. Alors c'est à l'ancienne, tu peux rien faire. À la fin, il faut reset la console. Je vois. Bon, bah voilà, ceci conclut le let's play avec un bel épisode qui dure 2h50. Ah, on retrouve la musique du début. En tout cas, les musiques sont extraordinaires, hein, vraiment. Je kiffe ma race. Après, non, c'est un très bon jeu, il n'y a pas vraiment de défaut majeur, hein, clairement. Je pense qu'à l'époque, j'aurais vraiment kiffé ma race. J'aurais fait ce jeu avant FF7, peut-être que ça aurait été mon jeu préféré, je ne sais pas. Parce qu'il y a toujours ce phénomène du... Ouais, ton jeu de rôle préféré, c'est le premier que tu as fait, en fait. C'est un peu ce qu'on retrouve avec les Final Fantasy, donc je sais pas. Parce que tu as quand même une histoire assez riche avec plusieurs personnages, tu passes du temps avec eux et voilà. T'as une histoire intéressante. N'est-ce pas Octopath Traveler? Voilà. Bah, on va quitter là-dessus. Donc je vous dis merci d'avoir suivi. Ce sera peut-être coupé en deux quand même, cette petite rediff, parce que 3 heures c'est énorme. Bref, à très bientôt sur d'autres RPG rétro ou non. See you next time. Ciao, ciao. We'll be right back.